Le vendredi 22 et samedi 23 mars 2019, l'ensemble scolaire Jean-Baptiste Vatelot a encore une fois ouvert ses portes aux visiteurs. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Tout d'abord, la vente de fruits et légumes par les élèves du lycée professionnel. Et ce sont eux qui en parlent le mieux. Bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Romain Knocker et je gère un projet avec l'ensemble du lycée professionnel. Donc le projet est simple, on a créé le Drive Vitamine. Donc ça consiste à vendre des fruits et légumes, tous des produits transformés qui viennent de l'Agnée, donc c'est local. Un peu plus loin, autour du numérique, un atelier original combine deux disciplines, mathématiques et technologies, comme nous l'explique Monsieur Blanzan. Alors ici, on travaille sur l'algorithmique en lien avec la technologie. Donc c'est l'algorithmique, c'est créer des programmes pour à la fois ou mathématiques ou technologiques pour lancer des automatismes, des choses comme ça. Donc là, on travaille sur tablette et sur Scratch. C'est un logiciel qui fait les premiers pas sur l'algorithme. Ailleurs, on apprend à sauver des vies en se formant pour le PSC1 avec Monsieur Brou et Madame André. L'idée, c'est de leur montrer un petit peu ce qu'ils font en troisième, la formation au PSC1. Donc, ils vont voir un petit peu les situations de malaise, arrêt cardiaque, étouffement, et ils vont mettre tout ça en pratique. Chut, ne faites pas de bruit, il y en a qui travaillent ici. Et voilà, encore deux journées bien remplies qui montrent le dynamisme et le caractère innovant, familial et sympathique de notre bel établissement. Alors, comment trouvez-vous ces journées portes ouvertes ? Agréable, très agréable. En plus, on a du beau soleil, donc plein de monde, donc très bien. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir tant de monde qui nous pose des questions pour les choix de langue, comme nous pour l'allemand. Alors, tu as aimé les portes ouvertes ? C'était super bien préparé, ça se voit à comment c'est organisé. Les personnes étaient très aimables, que ce soit les enseignants ou les élèves. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Quelque chose à rajouter ? À l'année prochaine alors. Voilà.